Hey, donc. Ariane vient de jouer, il nous reste les autres. Elle a fait 1, 2, 3. Elle a tiré, ça marche. Arnaud peut en tuer un sans avoir de soucis. Donc Arnaud va faire 1, 2 et va essayer de le tuer. Sur un... Ah, pourquoi faire ça? Non, non, Arnaud va rester là, va faire 1. Et pour sa deuxième action, il va tirer avec son arc court. Pourquoi? Parce que l'arc court est à 3+, alors que son marteau est à 4+. Allez, 3+, 5, il le tue. Très bien. Hop, Arnaud aura joué. On va essayer d'aller ouvrir la porte. Donc, Donc, il nous reste Silas, Karl et Théo. Silas peut pas ouvrir, Karl peut pas ouvrir, donc il reste Théo. Pour une action, il va arriver ici et va essayer d'ouvrir cette porte. Avec son épée courte, 4+. Oui, bah disons, j'ai de la chance avec les portes, hein. Ok, deuxième action, il nous restera une action. Qu'est-ce qui va se passer? Donc ici, on va avoir personne. Très bien. Là, une abomination, donc non, elle avance. Et ici, on va avoir un runner. On va avoir un runner. Ok. Donc Ariane et Arnaud ont joué, ils sont face à face avec Labo, hein. Super. Donc, une action, il a bougé là. Deux actions, il a ouvert la porte. Troisième action. Troisième action. Bah, il va rien faire. Non, il va rien faire parce que j'ai pas envie de passer en jaune encore pour l'instant. Il nous reste Karl et Silas. Donc. Silas va faire 1, 2, il va tirer sur le runner. Oh, il fait 1. 1, 2, ouais. Ah, ça marche pas. Ok. Karl, 1, 2, et sa troisième action sera de tirer sur le runner également. Donc 4 dés à 5 plus. Oh non! Ouais, il le fait. Allez, il avait bien besoin de ça. Hop, personne n'est encore en jaune, mais tout le monde est au bord de passer le niveau jaune. Allez, tout le monde a joué. Phase des zombies. Alors, eux avancent. Hop, eux avancent, le Fatih arrive ici et Labo arrive au contact d'Ariane et de Arnaud. Ok. Bon, bah, on va essayer de le contenir, hein. Phase d'invocation, en haut, on va avoir un Walker et un Fatih. Un Walker et un Fatih. Ok. En bas, nous allons avoir... Un walker. Un walker. On va jouer. Du coup, on va essayer de jouer Silas, qui va tirer sur l'abo portant sur le walker. 4. Il le tue. Il est à 6 d'XP. Donc 1, 2 et 3. Il prend l'objectif, ce qui fait qu'on passe en jaune. Hop, Silas a joué. On va jouer Théo en sprint. Une action. 1, 2, 3. Deux actions, il va essayer d'ouvrir la porte.
3, ça passe pas. Il essaye encore d'ouvrir la porte. 1, ça passe pas. Super. Karl va faire 1. Il va essayer de dropper en 2. Une dague de parade. Je la connais pas. Gagner plus un dé avec une autre arme de mêlée équipée. Ok, c'est une dague. Compte contre une arme de mêlée et un bouclier. Armure 4+ ou relance une fois toutes les sauvegardes d'armure. Ouais, c'est pas mal. 1, 2, et du coup. Et bah, il va la donner à Silas. Ok, il aura joué pour Karl. Sylvia va faire une action de mouvement et pour deux actions de mouvement, elle se retire ici. Ok, c'est pas cool, mais bon, voilà. Arnaud, deux actions de mouvement. Pour faire ça, trois actions ici, fouille gratuite. Un arc long. Et Ariane, deux actions de mouvement, trois actions pour venir se planquer ici. Ok. Fin de phase des héros. On bouge tout ça. Hop, hop. Invocation, en haut, on va avoir 3 walkers parce qu'on est passé en jaune et 2 runners. 3 walkers et 2 runners. Ok, en bas, nous allons avoir une double invasion. Ah. Donc, du coup, en haut, on va avoir tous les runners standards. Donc, eux vont bouger. Ça marche. Et la deuxième, Infatti. Ok. Allez. Du coup, Théo va essayer d'ouvrir cette porte. Il le fait pas. Il essaye encore. Il le fait. Ok. 1, 2, 3. Hop. Inferno. Même pas, il le prend pas. Non, 1, 2, 3, il se déplace ici. Même pas. 1, 2. Ah si, il pourra revenir. Allez, il fait ça. Ok. Donc Théo a joué. Va falloir qu'on essaye de se barrer au plus vite quand même, hein. Jouer au jeu de la souris. Silas peut ouvrir du coup. Alors Silas va 1, 2. Il pourra pas le tuer de toute façon. Donc il va se déplacer ici. Il va essayer d'ouvrir la porte. Pour un 4+. 3. Non, il essaye encore d'ouvrir la porte. 6, il ouvre la porte. Ok. Donc 1, 2, 3, il aura joué. Après, Karl. On peut faire un effet surprise. Ça peut être pas mal, hein. Remarque, si personne ne bouge, la boue va toujours être dans nos pattes. Ça sera pas forcément cool. Allez, Arnaud va essayer de dropper. Son action gratuite. Une grande épée. Donc il va être obligé de se séparer de quelque chose. De l'épée courte.
Ok, il va se séparer. Je réfléchissais en fait à vitesse. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être cool de faire bah, la vitesse, quoi. Pour essayer de bouger quelqu'un et qui commence à tuer un peu à droite et à gauche. Mais ça ne sera pas suffisant. Ça ne sera pas suffisant. Je vais me séparer de l'arc court. Je vais me séparer de l'arc court. Hop, je me sépare de l'arc court pour garder l'arc long. Hop. Donc c'était son action de fouille gratuite. Il a donc du coup trois actions. Il va se barrer. Un. Et 3, comme ça il est en dehors de la vue. Il aura joué. Karl va dropper une dague. Ok. Il va dropper aussi, encore une fois, désintégration. Pas mal. 3D à 5 plus. C'est pareil que chaîne d'éclair. Ouais, je vais plutôt. Désintégration, en fait, sur un 6, on a plus un dégât. Chaîne d'éclair, sur un 6, on a plus un dé. Hop, il va se déplacer ici. Ok. Ariane va. Elle n'a pas joué d'Ariane. Ouais, elle n'a pas joué. Elle va dropper une dague. On va continuer. On va chercher. Faut chercher la bile, en fait. Hein. On continue. Flèche en pagaille. Et le rejouer. Il nous reste Sylvia. Du coup, pour deux actions, elle va là. Trois actions, elle va là. Elle s'enfuit simplement. Hop. Allez, là, c'est la fin de phase des héros. Phase des zombies. Labo. Hop, Fatih Fatih. Les walkers avancent, eux, les runners avancent de deux cases, avancent de deux, et eux avancent que d'une seule case. Ok, phase d'invocation. En haut, nous allons avoir double invocation avec double invasion, avec trois wolves et quatre wolves. Waouh! Sept wolves. Un, deux, trois, quatre, un, cinq, six, sept wolves. Qui arrive. Ok. Et en bas, nous allons avoir un Fatih. Un Fatih. Ok. Allez, autour de Théo. Ouvre cette satanée porte, Théo. Oui, il le fait. Il ouvre la crypte ici. Pour 1, 2, 3, il prend ça. Et donc il obtient 1, 2, 3, 4, 5 points d'XP et il gagne plus une action. Et il va sprinter. 1, 2, ouais, 3, il arrive ici. Ok pour Théo. Karl, c'est Karl qui doit le prendre du coup. 1, 2, ouais, 3. Inferno, donc. Hop, pour l'Inferno. Karl a joué. Ariane. On va pouvoir faire 1.
Allez, elle va faire 1. 2, elle va sauter. Hop. Et 3, elle va essayer de taper le walker. 2D à 4+. Ouais, yes, elle le fait. C'était un coup de pari, hein. Coup de poker. Hop. Elle le tue. Elle passe en jaune. Elle a une action supplémentaire. Et elle va se déplacer ici. Elle aura joué. Silas va se déplacer ici pour une action. Deuxième action, il va tirer sur le walker. Ah, il loupe. Deuxième action. Troisième action, il tire. Il en tue un. Et dernière action, parce qu'il a quatre actions maintenant. Hop, il retire. Donc il a tué deux walkers. Et il aura joué. Il nous reste Sylvia et Arnaud. Sylvia et Arnaud. Arnaud peut faire 1 et tirer sur le walker. Sur 3 plus. 5, il le tue. Il passe également en jaune. Donc il a fait 1, 2. 3, 4. Il aura joué. Et il nous reste Sylvia, ici. Qui va jouer comme ça. Hop, on récupère tous les jetons des héros. Face des zombies. Le Fatih arrive ici. Les Fatih reviennent, labo, hop, sur Théo, les runners 1, 2, se déplacent de 2, les walkers de 1, walker et Fatih de 1, pareil, walker et Fatih de 1, et les zombies wolf par contre de 3, 1, 2, 3, ils arrivent sur cette case. Ah, remonter le flux pour aller sur l'exit va être quand même une épreuve. Si je m'en sors jusque-là. Alors, il faut que je me barre au maximum. En fait, j'avais dans l'idée d'ouvrir la porte ici pour aller choper, enfin, me débarrasser de lui et d'ouvrir la porte. Le problème, c'est que je vais faire... Est-ce que j'ai fait l'invasion? Eh non, j'ai pas fait l'invasion. J'ai fait que bouger. Il me faut faire l'invasion. En haut, on va avoir un runner. Un runner. Et en deuxième carte, on va avoir l'abomination. Voilà, c'est ce que je voulais pas faire avec ça. Donc Théo se prend un point de dommage. Ok. Et en bas, on va avoir 3 walkers. 3 walkers. Voilà, c'est ce que je voulais éviter en fait, c'est de la réactivation ici de l'abomination sur le bon vieux Théo. Donc, pour deux actions, il va utiliser sprint. 1, 2, 3. Il reste deux actions. Eh ben, il va utiliser trait de mort ici. Premier à 4 plus. Yes, il le tue. Ok. Et dernière action, il va se mettre ici. Il a un peu peur. Silas va faire 1, 2, 3 et 4. Il va tirer à 2 plus. Ah, il fait 1. Hop.
Allez, Sylvia, elle va faire 1 ici. Et au corps à corps, elle va essayer de tataner. De tataner le Fatih. Deuxième action. Ouais, elle le fait. Elle passe en jaune. Elle a plus une action. Donc ça faisait deux actions. Elle a tatané le Fatih. Elle essaye d'ouvrir la porte pour sa troisième action. 6, elle y arrive. Très bien. Allez, surprise, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? C'est ce que je voulais pas. La Wolf Abomination. Eh ben merde! Il lui reste plus encore une action. Ah merde. Ben ok. Il lui reste une action. Ben, elle va tirer sur les Walkers, hein, juste ici. Ah, 5 plus, la 3D. Oh, joli, triple 6. Bon, ben. Ok, je. 1, 2, 3, triple 6. Ben, ok. C'était Sylvia. Il nous reste Karl, Ariane qui n'a pas joué et Arnaud. Karl, 1, il va essayer de dropper. 2 et même 3. Hein. Ah! Oh, on a l'arc long du chaos. Ah, par contre, c'est en orange. Pourquoi je disais oh? Parce que avec 4 succès ou plus lors d'une action à distance avec cette arme, le feu du dragon dans la zone ciblée. Par contre, il faut être en orange. Donc voilà, c'est compliqué. Mais bon. Feu du dragon quand même. Mince. C'est Karl qui va garder ça et qui va jeter l'explosion de mana de base. Ok, c'est Karl qui jouait. Il nous reste Ariane. Il nous reste Ariane. Et qu'est-ce qu'elle peut faire? Bah, elle va faire 1, elle va essayer de tirer sur le Fatih avec 2 dés à 4+. Elle le tue. Elle gagne encore 1 d'XP. Et elle revient là. Histoire de mutualiser les dégâts en fait. Hein. Et il nous reste Arnaud. Un, deux, trois pour mener. Ouais, pareil, hein. Pour les dégâts. Mutualiser les dégâts. Allez, c'est la fin de phase des héros. Phase des zombies. Alors, les runners. 1, 2, 1, 2. Eux se déplacent de 1. Le Fatih de 1. Hop, les loups de 3. 1, 2, 3. Ils arrivent donc du coup ici. Là, 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 et là, eux avancent de 1, le runner de 2, labo de 1 sur Karl. Et la fameuse abo. Donc, 1, 2 et 3. Donc, 2 points de dégâts à répartir. Donc, Ariane va en prendre une, Arnaud va en prendre une. Ok. Allez. Karl. Deux actions, trois actions. Ok. Arnaud. Deux actions,
Action de fouille gratuite. Carreau en pagaille qu'on jette tout de suite. Alors, ça fait 1, 2, et il reste 3, 4. Il va prendre l'objectif. 1, 2, 3, 4, 5. Et il va refouiller encore une fois. Une hache, super. Je vais me séparer de mon épée courte. Ah, j'ai pas de bille de dragon et je pense que ça va devenir compliqué. Ariane va essayer de 1, 2, 3. Ouais, putain. Ariane va essayer de tirer sur les runners à 2D à 4+. Ah non, une action. Elle va encore le faire. Oh, ça loupe encore. Hop, elle se déplace pour deux autres actions ici. Elle aura joué. Sylvia va faire la même, sauf que c'est à 3D à 5+. Donc, hop, un mort. Encore une fois, loupé. Donc Sylvia a pris 1 d'XP. Hop. Théo. 1 dé à 4+ sur le runner. Loupé. Deuxième. Ouais. Il tue le runner. Il gagne encore 1 d'XP. Et il se met là. Ok. Et bien tout le monde a joué. Non, et Silas qui n'a pas joué. Hop, il va se mettre ici. Allez, face des zombies. Hop. 1, 2, 3. Donc, Sylvia s'en prend une et Arnaud s'en prend une. Non, pas Arnaud, il n'est pas avec eux, c'est Théo. Il y a Théo et Ariane, ouais. Théo s'en prend une encore. Ok, eux, 1, 2. Eux ils bougent, eux ils bougent, 1, 2, ils bougent ici. Donc eux se séparent parce qu'ils ont des survivants en vue les uns et les autres. Hop. Et ben allez. Non, labo revient. Phase de spawn en haut. On va avoir 4 walkers et un fatty. Un fatty, 4 walkers. Et en bas, on va avoir un runner. Un runner. Ok. Et ben allez, phase des héros. On se revoit tout de suite pour la phase des héros. Yo!